Booba répond à Dizzy B qui a sorti Cocolia. Actuellement, il y a une grosse polémique sur ce titre. Voilà, si vous voulez savoir ce que Booba a répondu, je vous incite à regarder la vidéo entièrement. Et on se retrouve après le générique. Il y a une polémique sur le son Cocolia, sur lequel Booba a organisé un concours dans lequel des fans devaient faire le deuxième couplet et le meilleur couplet sera mis sur le son et va sortir sur les plateformes. Mais le problème, c'est que les lyrics du premier couplet ressemblent très pour très à celui de Dizzy B, car Dizzy B a sorti aussi le même son sur ses différentes plateformes après que Booba ait annoncé son concours. Du coup, on ne sait pas le son appartient à qui. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux là-bas, mais en tout cas, il y a parlable sur le vrai détenteur du son Cocolia. Mais l'équipe de Dizzy B a fait une sortie sur les réseaux pour affirmer que le titre appartient à Dizzy B. Diba Diallo, l'un des managers de Dizzy B, a fait des captures WhatsApp où on aperçoit l'équipe de Dizzy B discuter du son Cocolia. Elle a affirmé que le son avait été enregistré dans la nuit du 23 au 24 mars et qu'elle a écouté ça le 27 mars. En continuant par le fait que le son lui a beaucoup fait penser à Booba lorsqu'elle a écouté pour la première fois et que c'est normal vu que Dizzy B s'inspire de lui. Donc vous pouvez voir les différentes captures et ce qu'elle écrit là-dessus. Il y a ensuite Zagba le Requin, un membre de l'équipe de Dizzy B, a fait une sortie sur les réseaux en disant que Dizzy B lui a fait écouter le son Cocolia et a dit que sur ce son là il sera en feat avec Booba. Zagba affirme que c'est par la suite que Booba s'est approprié le son pour en faire un concours. Donc je vous laisse lire les propos de Zagba qui ont été repostés par plusieurs médias. Voilà, donc un fan a reposté les propos avec écrit dessus Téma les mythomanes jeux en taguant l'artiste qui a reposté par la suite dans sa story. Est-ce que Booba essaie de démentir l'information? Ça reste à savoir. En continuant par se moquer des streams du son qui comptabilise actuellement 16 000 et quelques streams. Voilà, il a fait une capture des streams sur Spotify, des streams de Cocolia que Dizzy B a posté sur son Spotify et il a écrit Cacalia. Voilà, fait allusion à voilà ce que vous savez. Il veut pas dire, mais voilà. Tu vois, nous enlever l'IA là et puis laisser les deux qui sont derrière avec emoji qui rigole, tout ça. Voilà, c'était tout la mif. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines actualités sur le sujet. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Likez la vidéo, ça avait kiffé. On se dit à la prochaine.